Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Super Nintendo Boy, sous Kratos, votre bien-aimé, toujours là pour vous servir. Et aujourd'hui, une vidéo, cette fois, je crois qu'on peut le dire, vraiment extrêmement spéciale, une vidéo courte et pourtant pas des moindres. Vous l'avez lu très probablement dans le titre, même si pas encore sûr à l'heure à laquelle je tourne du titre que je vais donner à cette vidéo, eh bien je suis devenu papa. Voilà. Alors si vous me demandez, ou même plutôt si vous me demandiez si j'étais quelqu'un de plutôt heureux et optimiste, je vous aurais déjà répondu avant la naissance de ma fille que j'étais l'homme le plus heureux de l'univers. Voilà. Pour X ou Y raison, voilà, j'ai toujours été très heureux dans ma vie, j'ai beaucoup de chance. Voilà. Mais maintenant, je pense qu'on a passé un gap. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je suis encore chez ma belle-sœur, parce qu'à l'heure à laquelle je tourne, ma femme est encore à la maternité. Et puis, comme dans notre ville, il n'y a pas de maternité, ben, on est venu dans la ville à côté, où elle est présente. Et bien maintenant, je crois que je peux dire que je suis. Comment est-ce que je pourrais décrire ça? L'homme le plus heureux de tous les univers existants. Voilà. Avant, c'était juste de cet univers. Bon, voilà. On va faire preuve un petit peu de modestie, n'est-ce pas? Maintenant, on s'en bat les couilles. Hein? Maintenant, je suis carrément l'être le plus heureux de tous les univers existants, hein, de l'espace, du temps, de tout ce que vous voulez. Voilà. Alors elle s'appelle Célène, hein, je vais pas en dire plus, je vais pas vous montrer des photos, j'ai pas de réseaux sociaux, donc voilà. En fait, cette vidéo, c'est plus un prétexte, alors déjà, oui, pour vous annoncer, puis marquer un petit peu le coup de l'avenue de ma petite chérie, et puis surtout pour vous dire, bah, vous en doutez, hein, la naissance d'un enfant, ça crée des changements dans la vie d'un père, d'une mère, même de la famille proche, quelque part. Eh bien, bah, je publierai un petit peu moins de vidéos. Alors, je vais continuer à être régulier, hein. Le truc, c'est que là, ça fait plus d'un an que je publiais 4 fois par semaine, quand même, hein, le lundi, le mercredi, le vendredi, le dimanche. Je vais tout simplement diviser par deux. Quand même, hein, c'est déjà pas mal. En tout cas, pendant un temps, on verra si je reprends plus, mais je pense que c'est pas plus mal, hein. Faites 2 par semaine, le mercredi et le samedi. Ça me semble être pas mal, d'autant que vous avez dû le constater, hein, dans mes dernières vidéos, il y a quand même une, je dirais, c'est 3-4 derniers mois, une bonne chute dans les vues. Alors, étrangement, la chaîne continue à faire pas mal de vues, entre guillemets, à mon niveau, hein, entre 1000 et 1500 par jour, je dirais. Mais c'est surtout les anciennes vidéos, en fait, qui font des vues. Donc, bon. C'est pas très grave, hein, ça me démotive pas du tout à en faire des nouvelles. Bien au contraire. Mais je pense que c'est pas plus mal, maintenant, de me fixer un objectif youtubesque un petit peu plus en dessous, un petit peu plus accessible, on va dire, parce que voilà, entre le boulot, la petite fille, tout ce qu'il y a autour, eh bien, je n'ai pas du tout envie de mettre la pression pour suivre un calendrier YouTube. Jusqu'à là, ça n'a pas vraiment été le cas, tout simplement parce que, bah, vous le voyez bien, hein, mes vidéos sont relativement simples, il n'y a pas du montage de ouf, voire pas de montage du tout, hein. Enfin, si, pour mettre l'intro, l'extro et tout, mais bon, on va peut-être pas appeler ça du montage, n'est-ce pas? Mais voilà, ça m'a toujours permis d'être régulier, de pas mal bombarder. Mais je me dis de toute façon que c'est trop. Moins de gens regardent les nouvelles vidéos. Encore une fois, c'est pas grave du tout. Alors, elles sont vues, mais plus tard, vous voyez ce que je veux dire. Elles prennent, on va dire, les mêmes vues que celles que je sortais avant. Mais plutôt que de le faire en les mêmes vues dans les 2-3 jours, elles les font dans les 2-3 semaines. Bon, finalement, c'est pas très très grave, hein. Et voilà, qui sait, peut-être que justement de bombarder un peu moins, de prendre peut-être un peu plus le temps de le faire. Alors je vous préviens, il n'y aura probablement pas plus de montage, oui, non, mais bon. Voilà, en tout cas, je vais essayer de prendre de l'avance parce que là, pendant un petit coup, quand on va rentrer à la maison, et eh ben, je pense que je vais prendre moins le temps de faire des vidéos pendant en tout cas 2 semaines, 1 mois. Là, je profite, voilà, je passe 2, 3 jours chez ma belle-sœur, bisous. À toi, Camille, si tu passes par là. Et je vais essayer de tourner des vidéos à l'avance un petit peu, hein, que ça soit des. En plus, voilà, j'ai pris un peu de retard sur le planning. Pardon. Mais voilà, vous étonnez pas si dans mes prochaines vidéos, en tout cas du mois, dans une partie, eh bien, je suis dans ce décor ou un autre, en tout cas qui n'est pas habituel.
Voilà, je le repréciserai plus, ça ne sert à rien. Voilà, donc ma petite Célène, si tu passes là dans quelques années, eh bien sache que je t'aime plus que tout au monde. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. À plus!